Filippi de garder voilà sa deuxième place. Ramos qui s'est fait dépasser également d'ailleurs par l'Audi derrière de César Campanicho. Qui a récupéré la tête. Oh là 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 là. Ah, et cette Porsche qui est arrivée, alors on ne sait d'où, elle a complètement coupé le virage. Ouais, je pense qu'il était en perdition avec Porsche les freins. Porsche du Rinaldi Racing, Marco Zifrid, hein. Pourtant un gros habit, un petit peu tout mélangé. On va peut-être revoir l'action, ouais, voilà. Ouais, elle est complètement en perdition la voiture. Effectivement, il y a un problème à l'arrière. Chose que, ouais. Peut-être la direction, ouais. Peut-être c'était-il crevé. Peut-être une crevaison, mais effectivement, d'un coup d'un seul, la voiture décroche totalement et va, derrière percuter. Elle décolle sur le vibreur et elle va percuter la Ferrari argent, effectivement. Mais je pense pas que Zifrid soit vraiment pour grand chose. C'est pas ici que le problème se passe. Ouais, regardez, elle arrive pleine balle, il n'y a pas de frein, il n'y a rien. Je pense vraiment qu'il y a un problème, il y a un problème technique sur la voiture. Ouais, je pense que la première chose. Il est en train d'expliquer que c'est pas sa faute, mais l'autre ne veut rien savoir. Ah bah, je pense qu'il s'est fait une belle frayeur. Je pense qu'il aussi, a eu peur, oui.